pensait copain comme cochon, mais même entre amis, visiblement, on se dit quelques vérités. L'ancien ministre Jean-Louis Borloo étrille la politique d'Emmanuel Macron. Il se lâche un mois après avoir vu son plan banlieue retoqué. Jean-Louis Borloo était invité à un colloque hier à Valenciennes et il a donc sorti le Karcher. Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation culinaire désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Ça n'a jamais fait un grand plat. Et c'est une erreur majeure. Je le dis très, très sérieusement. C'est pas sujet gouvernement de tel ou tel, hein. C'est un problème d'une monarchie qui, en fait, a plus de moyens. Et ce qui me dérange, c'est que les quelques moyens qu'elle a, elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite. Cette vision de la société, je la trouve inefficace, dangereuse. Ça va être bien de traiter tout le monde de populiste. Tu ne peux pas t'interroger un peu pourquoi y a ça ? Tout d'un coup, il n'y a pas un virus de conneries généralisées qui se disperse sur l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est où ça serait. Il faut prévenir l'Académie de médecine. Et moi, je vis avec inquiétude, je vous le dis, cette déconnexion. Voilà, c'était Jean-Louis Borloo hier à Valenciennes.